Eh bien, chers frères, le 11 décembre 1925, le pape Pie XI, par son encyclique Quas Primas, instituait une nouvelle fête dans l'Église, la fête du Christ-Roi. Et il prescrivit que le dernier dimanche d'octobre serait dorénavant consacré à cette solennité. Et cette fête devait annoncer une reconstruction du monde. Quand il publia son décret, il déclara formellement qu'il en attendait un renouvellement du monde. Derrière l'encyclique du pape, il y avait des expériences profondément tristes, dangereuses pour le monde, celle de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14 qui s'était terminée par des négociations, des traités de paix où le seul nom de Dieu ne se trouvait évidemment nulle part. Et la paix ne fut pas rendue au monde, car on ne peut obtenir la paix en la cherchant sur de faux chemins. On ne peut espérer la paix si l'on s'évertue à ignorer le centre de l'histoire, le centre de l'histoire du monde qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le pape, qui porte la responsabilité de la santé spirituelle du monde, fit entendre sa voix dans cette encyclique. « Peuple, écrit-il, la peste s'est déclarée. Une épidémie universelle fait rage. Et cette épidémie, c'est que le Christ est exilé du monde. Homme, c'est à cause de cela que vous périssez. » C'est d'abord une constatation. Le Christ exilé du monde. Jésus-Christ ôté de l'atmosphère qui ne permet plus d'être catholique dans la vie publique. Or, là où manque le signe du Fils de l'homme, ne peuvent régner que les ténèbres. Pour nous, c'est évident. C'est une éclipse spirituelle qui descend sur l'humanité. Que fait alors le monde ? Il se noie dans l'insouciance. Le pape signale une calamité mortelle et le monde ne s'émeut pas. Le temps des Nérons, des Dioclétiens n'est plus, certes, ce n'est plus chez nous la persécution sanglante, mais elle n'en reste pas moins plus sournoise, en ôtant Jésus-Christ de notre atmosphère, jusqu'à ne plus permettre encore une fois d'être catholique dans la vie publique. Alors cette fête du Christ-Roi, elle veut nous rappeler que le Christ, le soleil divin, ne brille plus au-dessus de nous. Et cela, c'est un mal terrible. Faudrait-il alors attendre le jour du jugement pour reconnaître que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le but et le centre de l'histoire ? Nous croyons, nous, que là où manque le signe du Fils de l'homme, règnent les ténèbres, qu'une éclipse spirituelle, encore une fois, descend sur l'humanité. Et nous nous réclamons cependant du Christ, me direz-vous. Oui, mais combien sont encore pénétrés de cette pensée que le Christ est et doit être en toute chose le chef, le centre. Le Christ est le roi de nos cœurs, roi de nos familles, mais est-ce que cela suffit? Où se trouve sa croix? À part les calvaires de nos campagnes, et pour combien de temps encore, nulle part, une nuit glaciale sans le Christ s'étend sur les âmes. Et pour d'innombrables âmes baptisées, le Christ n'apparaît plus que comme un souvenir, froid, nébuleux, suranné. C'est vrai, on ne persécute plus par les armes, du moins en France, mais c'est là une autre forme de persécution. Il n'y a plus de place pour Jésus-Christ.
La nuit de Noël, la nuit de Noël et la guerre contre les crèches nous le rappellera bientôt. C'est vrai qu'à Noël, on ne persécutait pas le Christ. Mais les conditions politiques, sociales, étaient telles qu'on ne trouvait déjà pas de place pour lui. Sa couronne lui a été ravie. Il ne règne plus. Ils l'ont découronné, comme disait Monseigneur Lefebvre. Comment en sommes-nous arrivés là? L'histoire des deux derniers siècles n'est rien d'autre, en effet, qu'une séparation progressante à vue d'œil, une séparation d'avec notre Seigneur. Et alors que dans tout le Moyen-Âge vivait le Christ, la science et la technique moderne aujourd'hui nous ont étourdis. Notre regard s'est bien souvent rivé à la terre, nos désirs sont attachés à cette terre et nous ne pensons plus au ciel. Et combien de fois nous-mêmes, combien de fois vivons-nous comme si toutes nos espérances dépendaient de cette terre? On cherche alors à enlever le Christ de notre atmosphère et le Christ, notre roi, est sans patrie. On a affadi, on a amenuisé la doctrine de notre Seigneur, toujours de plus en plus, et maintenant la peste s'est déclarée. Et l'éloignement du Christ a commencé d'abord dans le monde des idées. Nous avons toujours, de moins en moins, pensé avec Dieu. Notre foi est devenue de plus en plus faible. Elle n'est pas morte, mais souvent elle dort. Il suffit d'observer comment pensent parfois les meilleurs chrétiens. Dans la vie de tous les jours, n'est-elle pas toujours grâce à Dieu, n'est-elle pas sans différence d'avec les meilleurs païens d'avant Jésus-Christ? Un peu de bonté naturelle, un peu de politesse, un peu de tenue, mais au fond de l'âme, on trouve souvent un monde glacé d'où notre Seigneur Jésus-Christ est quasiment absent. J'exagère peut-être un peu, mais n'est-ce pas quand même un peu cela? Et cet abandon du Christ s'est poursuivi dans la conversation, avec ce respect humain et parfois cette honte à parler de Dieu, notre Créateur, de Jésus-Christ, notre Rédempteur. On potinera parfois pendant des heures sur les choses les plus insignifiantes. On tirera vanité de toutes les choses imaginables, mais dès que la conversation est dirigée vers celui devant qui tous les genoux doivent plier sur des choses religieuses, on est aussitôt gêné. Le Christ roi, pauvre roi, le voilà exilé. Et nous avons exilé notre roi. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. La politique dira, qu'est-ce que le Christ y aurait perdu? L'homme d'affaires dira, les affaires ne connaissent pas la morale. L'homme de science dira, foi et science s'excluent l'une l'autre. Et c'est ainsi que prit naissance l'état actuel. Nous n'avons pas de Christ, le Christ est mort. Et Pie XI réagit avec force dans son encyclique, non, le Christ n'est pas mort. Il est roi, il est là, il vit, il règne. Pie XI réagit, nous ne voulons pas d'un christianisme édulcoré. Nous proclamons que le Christ a un droit absolu sur tous les hommes, sur l'individu, sur la société, sur l'État, sur les gouvernements, car tout est soumis à Jésus-Christ. La politique, la science, le commerce, l'art, la famille, l'enfant, la jeunesse, tout et tous. Le Christ Jésus est roi de tous les hommes, et c'est bien pour cela qu'en toute nation chrétienne, l'étendard de Jésus-Christ doit y flotter partout. Évidemment, nous qui nageons bien souvent dans les eaux bourbeuses de cette vie du monde, nous aurions peut-être tendance à l'oublier et à exiler notre roi de cette vie. Alors ne nous laissons pas vaincre par cet état d'esprit et demandons à Dieu, à notre Sainte Mère, d'avoir d'autres yeux pour tout voir autrement. Faudrait-il en arriver à ce que le Christ étant
totalement exilés de la vie publique, nous en prenions notre parti. C'est comme ça. On n'y peut rien. Eh bien, si. Et pourtant, le pape Pie XI annonçait au monde cette horrible maladie du laïcisme. Nous avons besoin aussi peut-être d'un nouveau cœur, d'autres désirs. Alors la religion catholique refleurira. Le visage du Christ tuméfié sera alors resplendissant. C'est ainsi que cette solennité du Christ-Roi veut restaurer en nous cette image salie, l'image estompée de notre Seigneur. Car si l'humanité se débarrasse du joug suave et du doux fardeau du Christ, sa vie se déroulera dans un vide inexprimable et désespérant. Alors, cette constatation faite, pourquoi l'homme moderne refuse-t-il de se soumettre à la royale souveraineté de Jésus-Christ ? Pourquoi l'homme moderne semble-t-il ne plus avoir besoin de Jésus-Christ ? Pourquoi a-t-il peur de confesser Jésus-Christ ? Pourquoi pense-t-il plus ne plus avoir besoin de Jésus-Christ ? Il faut répondre à ces questions. Et il y a trois réponses. Mais la réponse générale, nous la trouvons à la crèche. Ce petit enfant, fils du Dieu vivant, Verbe fait chair, maître de la race humaine, est aussi notre roi. Petit enfant, mais aussi législateur. Il nous aime certes, mais il est aussi notre juge, sévère, en toute justice et en toute miséricorde. Et s'il est roi, nous ne pouvons plus vivre aussi frivolement qu'avant. Alors, première réponse, l'homme moderne n'a pas besoin du Christ, parce que l'humble enfant de la crèche, déjà roi, condamne notre orgueil et notre suffisance. Si le Christ est notre roi, la raison ne peut pas être notre Dieu. Il ne s'agit pas là de s'élever contre la science, mais contre la croyance idolâtrique, aveugle, qui usurpe le nom de science. Pour une vie humaine bien réglée, la science seule ne suffit pas. L'ange le plus savant de tous, Lucifer, n'est-il pas tombé le plus bas ? Le Christ est roi, cela veut dire que l'âme vaut plus que le corps. Deuxième réponse, l'homme moderne n'a pas besoin du Christ parce que le Christ pauvre condamne notre soif de jouissance. L'homme d'aujourd'hui n'a pas besoin du Christ roi parce qu'il condamnerait notre mode de vie. Si le Christ est notre roi, ce monde relâché ne peut pas être de notre Dieu. Où le Christ est roi, la frivolité ne peut régner. Où le Christ est roi, on ne peut ni vivre, ni s'entretenir, comme l'homme frivole a coutume de le faire. Quelques-uns murmureront peut-être « Qu'est-ce que l'Église a à s'occuper de cela ? Que lui importe ?» Eh bien, nous ne devons pas traiter si superficiellement cette question. Il y a un motif bien fondé pour que l'Église soit obligée de prendre position sur cette question. Et il s'agit là, encore une fois, de cette maladie monstrueuse du laïcisme, de cette épidémie qui exile Jésus-Christ, du paganisme moderne sur lequel Pie XI attire l'attention et dont le microbe s'est glissé au-dedans de nous. Un de ses effets, d'ailleurs, se manifeste dans la folie du mode de vivre, du mode de penser, du mode de s'habiller, du mode de se tenir. Chasser le Christ, chasser le christianisme du plus grand nombre possible de places, dépouiller le roi de ses sujets, tel est le but qu'on s'est proposé. Et on peut parler ici non seulement de la famille, de l'âme, mais aussi de ce problème si dans la vie moderne et ses manifestations extérieures, on veut encore tenir du Christ ou non. L'homme moderne n'a pas besoin du Christ parce que celui-ci condamne notre paganisme moderne. Et troisième et dernière réponse, l'homme moderne n'a pas besoin du Christ parce que le Christ qui montre le ciel condamne notre conception moderne du monde qui méprise la valeur de l'âme et n'a que le culte du temporel. L'homme d'aujourd'hui ne peut avoir besoin
du Christ roi parce qu'il est la condamnation de notre vie matérialiste et parfois si terre à terre. Là où le Christ est roi, l'âme vaut plus que la matière. Et pour avoir besoin de la royauté du Christ, il faut avoir une âme et il faut prendre le temps d'avoir une âme. Alors, face à tout ce pessimisme qui est un mal qui étouffe dans son germe notre énergie, et le chrétien n'a pas le droit d'être pessimiste, il y a la royauté du Christ. La légende raconte que partout où passait l'enfant Jésus, fuyant devant le roi Hérode, toutes les idoles s'écroulaient. Eh bien, il faut que cette légende devienne chez nous réalité. Devant Jésus-Christ, tous les faux dieux doivent s'écrouler. Devant l'humilité du Christ, notre orgueil doit tomber en poussière. Devant la modestie du Christ, notre mondanité doit disparaître. Devant la pauvreté du Christ, notre matérialisme doit s'évanouir. Et si, de nouveau, nous reconnaissons alors le Christ pour notre roi, alors seulement, et seulement, la société sera guérie de ses innombrables maux. Alors, à l'œuvre pour notre roi, ainsi soit-il. Et vive le roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.